on est dans ce téléphérique qui nous amène vers le pic du Midi. On a cette montagne incroyable devant nous, on se sent tout petit. Bon, la première chose que je fais quand je sors du téléphérique, c'est que je vais directement dehors sur les terrasses et je m'imprègne du lieu. Panorama qui est fantastique, la position que le pic du Midi a un petit peu avancé comme un belvédère par rapport au reste de la chaîne des Pyrénées. Ce contraste entre d'un côté les montagnes fantastiques et derrière le plat, un petit peu le calme de la vallée, il est exceptionnel. Une génération dont je fais partie qui a eu une réussite assez importante. Cette fierté de notre région, et c'est ça qui nous a amené à se surpasser et à avoir des bons résultats. À faire quand on monte au pic du Midi, c'est évidemment bon, la journée, mais si on a l'occasion, c'est d'y passer la nuit. Certaines personnes appellent le pic du Midi le vaisseau des étoiles. On ne peut pas faire autrement que d'être complètement fasciné, ébloui. Et en plus, les scientifiques qui sont ici ont une manière de raconter, parce qu'ils sont aussi passionnés que moi je peux l'être de la glisse. Et voilà, ils arrivent à transmettre ça. Par rapport à la montagne, c'est qu'elle est différente tous les jours. On peut monter 365 jours dans l'année, bah on n'aura jamais les mêmes conditions, on n'aura jamais les mêmes couleurs, on n'aura jamais les mêmes sensations. Je pense que toute la vie des vallées et des villages alentours sont quand même très intimement liées à la montagne. Il y a pas mal d'agriculteurs dans tous ces petits villages, mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est souvent, il faut de l'agriculture, est une passion qu'il faut en dehors d'un autre métier. Certains sont moniteurs de ski l'hiver et l'été, ils redescendent dans la vallée pour faire du miel, pour faire du fromage, pour faire des jambons. Et tous les petits villages, de Campan jusqu'à Bagnères, Barèges, tout ça, c'est toute une activité qui font partie intégrante de la culture d'ici. Je pense que voilà, tous ces éleveurs ils continuent à perpétrer une sorte de tradition un peu ancestrale des vallées pyrénéennes. Ce que je pourrais donner comme conseil à tous les visiteurs potentiels de la région, c'est d'essayer de profiter au maximum, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Voilà, de venir avec un regard d'enfant et d'être émerveillé parce que c'est fantastique.